Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le monde de la saillie. Abonnez-vous au comptoir de Thomas Massina, chaque jour une nouvelle vidéo sur le monde des épices, sur le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil, mais ça sera après le Covid. Le saviez-vous que le Brésil produit plus de 1,6 million de tonnes d'açaï par an et que 85% de l'açaï provient de palmiers qui sont cultivés. Pas sauvage, cultivé. Ça, beaucoup de personnes oublient de le dire. Vous avez à côté de l'estuaire de l'Amazone beaucoup de palmiers, pinots, que vous pensez que c'est quelque chose de sauvage, mais non, ça a été planté. Mais bon, le palmier pinot est d'originaire d'Amazonie, c'est idéal pour faire de la reforestation. Regardez cette vidéo, comment pousse le palmier pinot. C'est réellement, il n'y a aucun problème de le planter en Amazonie. Mais il faut savoir que quand vous plantez un palmier pinot, il peut avoir un problème au niveau de l'œil sec. C'est quoi l'œil sec d'açaï? Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'açaï, l'œil de la plante, c'est quoi? C'est la tige que vous allez voir ici qui monte. Vous avez une tige, une genre de lance, et c'est à partir de cette lance que les feuilles, on va dire, au Brésil on va dire crèvent, c'est-à-dire que les feuilles naissent, pour faire simple. L'œil du palmier correspond au sommet de celui-ci. Mais s'il n'y a pas de bolo, c'est quoi? C'est tout simplement un engrais qu'on trouve de moins en moins à l'état naturel. Pourquoi? Tout simplement car il y a trop d'açaï dans un espace donné. Donc, pour remédier à ça, il faut absolument mettre cet engrais, un engrais à base de bolo, afin que l'œil du palmier ne meure pas. Et ça, c'est uniquement pour les plantations qui sont cultivées avec de l'irrigation. Pourquoi? Si vous laissez la lance de palmier mourir, le palmier pinot va mourir. Donc, dès que vous voyez que la plante, on va dire que la lance est en train de mourir, c'est-à-dire devient sec, il faut tout de suite mettre de l'engrais, autrement celle-ci va mourir dans le mois qui suit. Alors, quand vous plantez un palmier pinot, c'est très simple, vous faites une bouture avec, vous le laissez grandir. Si vous voyez que la lance du palmier, c'est-à-dire l'œil, devient sec, tout de suite mettre un engrais à base de bolo et celui-ci va grandir normalement. Idéalement, le cycle de vie d'un palmier pinot, c'est entre 15 et 25 ans. Ensuite, il vaut mieux l'abattre et planter une moude, qu'on appelle au Brésil, c'est-à-dire un plant d'açaï à sa place. Mais quand vous le coupez, ce palmier, vous pouvez faire des cœurs de palmier. Et donc, vous avez un cycle vertueux. Voilà. Allez, à bientôt.